Bonjour à tous, ravi de vous recevoir ce matin pour ce webinaire dédié à l'écosystème FinTech de Singapour. Je suis Cyril Armange, directeur général adjoint de Finance Innovation. Et on est heureux pour cette deuxième édition de ce webinaire qu'on avait fait en 2019 à l'occasion de la formalisation d'une délégation de FinTech pour le FinTech Festival à Singapour. Aujourd'hui, Singapour est un grand hub FinTech pour l'Asie. La France est un grand hub FinTech pour l'Europe. Et il est évident que des relations entre nos deux écosystèmes se développent au fur et à mesure. Et vous allez le voir au regard des membres de Finance Innovation qui sont installés en Asie. Hein. Je pense notamment à Genji, Monitor qui seront là ce matin, mais il y a également Shift Technology, Licorne française, QuantCube, Ledger et plein d'autres fintechs justement qui ont compris l'intérêt de s'implanter dans cet écosystème innovant. Pour nous, il est important de mettre en exergue en fait les différentes caractéristiques des hubs fintech mondiaux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, et de montrer effectivement le champ des possibles qui existent pour nos fintechs françaises, qui sont banques globales, de se développer dans un écosystème très innovant. Aujourd'hui, le webinaire sera marqué par plusieurs temps forts. J'aurai l'occasion de recevoir Marianne Tab de l'économique du Singapore Economic Development Board, ISEB. Ensuite, nous aurons une présentation de Marie Lemonnier en direct de Singapour, en fait, de la Chambre de commerce française qui nous fera un petit focus sur les acteurs fintech. Et enfin, on aura un retour d'expérience avec Stéphane Louis et Sylvain Pasquero qui nous présenteront effectivement les raisons pour lesquelles ils se sont installés à Singapour, quelles ont été leurs difficultés, quels sont les avantages comparatifs, etc. etc. Je propose de donner la parole à Marianne qui va nous présenter Singapour et son écosystème de façon macroéconomique. Cette présentation se fera en anglais. Marianne, est-ce que tu peux venir? Merci. Bonjour Cyril. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir l'occasion à présenter aujourd'hui. Et je m'excuse mon français et je me permets de continuer en anglais. Il est très bien. Can switch in English. Yeah. Thank you. Well, so hi everyone. I'm Marianne. I'm the regional director from the Singapore Economic Development Board. So I'm really happy to be here today to share with you how fintech companies are using Singapore as a base to grow in Asia. So a little bit about the EDB to start. We are a government agency that plans and executes economic strategies for Singapore. So what that actually means is that we do three things. First, we facilitate investments. We work with companies already in Singapore to expand their base in Asia, to transform their base and also boost productivity. And finally, we support corporate entrepreneurship to create new ventures from Singapore. So today we are responsible for over 30% of Singapore's annual GDP across manufacturing and tradable services. And of course, for the finance sector, apart from the EDB, many initiatives are led by the Monetary Authority of Singapore, which is our central bank. But regardless of sector, many companies continue to choose Singapore as their base for Asia because of our business-friendly environment, the stable political climate, connectedness, and livability. But maybe first we should answer the question of why in the world would companies come to Singapore? We are only a small island state of 5.6 million. So first, Singapore is in the heart of Southeast Asia, today the seventh largest economic bloc in the world. And by 2030, we expect it to be the fourth largest. As a consumer market, it's actually larger than that of India. And its young mobile first population, it's actually very unbanked. Which is very important for the fintech sector. So what we have seen, maybe the next slide. Yeah. So what we see here are some statistics relating to fintech in Southeast Asia in the last year. What we have observed is that the pandemic has really accelerated digital adoption in the region. In 2020, 40 million people, or the population of Canada, joined the internet for the first time in Southeast Asia. And although this means that 70% of Southeast Asia's population is now online, about half of the adults do not have a bank account.
and another 90 million people are underbanked, meaning that they have a bank account maybe, but don't have sufficient access to investment products, insurance, or credit. And millions of small and medium enterprises also face significant funding gaps, which we see in the research done by Google as well as Temasek. To give you an example, in Indonesia, where actually more than 70% of the adults are unbanked or underbanked, the cost of offering traditional banking services is actually very high. You have an archipelago of 17,000 islands. And can you imagine the infrastructure required if you were to set up, say, ATMs and branches all across these 17,000 islands? So one anecdote I heard from one of my colleagues is actually that when he was in Indonesia, what happened was that he needed some cash. He used an application to request money. And someone came on a motorcycle and gave him that money. And all this was done without going to a bank. It was all done over an application. So you can see things are done quite differently in Southeast Asia. And in 2020, what we saw then is that payment services, digital remittances, online insurance purchases, all these have really increased. We see some online investment, especially in places like Singapore, Malaysia, and Thailand. And it's quite nascent, but growing, because we see also online more queries about online wealth management and robo-advisors. So you might ask then, where are all these services being developed? And in Southeast Asia, Singapore is one of the hotspots for such activities. The next slide, please. Yeah. So this is a snapshot, well, a small snapshot of some of the activities being done in Singapore. And to name a few, you have regional headquarters being set up by companies like Revolut, like Wise. You know, you have engineering teams by Stripe, by Google. Google is actually quite interesting because they have their next billion users engineering team in Singapore. And one of the key projects they worked on was Google Pay in India, which is now, I think, the second most popular app for payments in India. And you also have co-innovation spaces like DBS's DBS Asia X Center, which collaborates with startups. So as a fintech company, what can you look forward to by doing business out of Singapore? The next one, please. And the next one, yeah. So first, you'll be in good company because there are over 1,400 fintech startups that have set up in Singapore. This ranges from MoneyThor, Genji, whom you'll be hearing from later, but also other French companies like Ledger, like United Credit and Kyriba. It's also a very well-connected and dense ecosystem, featuring a mix of startups, institutions, and corporate co-innovation labs, like what DBS and PayPal have set up. For raising capital, it's a good environment. And we've actually seen the amount of fundraising done out of Singapore increase from year to year. So this year, apart from the massive fundraising round by Grab Financial, some of the other notable ones include Transfer, which raised 41 million Singapore dollars in their Series B funding, and also IM Token, also Series B funding, $30 million. The MES has also built a whole ecosystem around fintech that you have access to. So apart from quite a progressive regulatory framework that evolves as the technology develops, we have also set up digital infrastructure such as SG Findex and MyInfo. So SG Findex is a platform set up by the MES so that individuals can consolidate actually their personal financial info across different platforms. And MyInfo is a KYC platform that is not only available to government services, which of course use it a lot, but also across financial institutions and fintechs as well. So it makes it easy, a good environment for online transactions. There are also various projects that you can participate in. So if you're in blockchain, for example, Project Ubin, which was set up to develop prototypes for the blockchain ecosystem, is already in its fifth or maybe even the sixth phase by now. And of course, we look very closely at the fairness of AI and data analytics. So that is what we call Project Veritas. And what they have done in the first phase that concluded this year is that they developed a fairness assessment methodology for credit risk scoring and customer marketing. Finally, it's the community initiatives that we work very closely with the Singapore FinTech Association on. So they
work with the MES on networking platforms such as Deal Fridays to connect the ecosystem, and also talent development initiatives that provide internship and mentorship opportunities to students, and also in the process then give companies access to this talent. Yeah. I thought useful to highlight this Project Green Print since, you know, COP26 is going on in Glasgow. So this is actually part of the Green Finance Action Plan that the MES announced 2 years ago. So Project Green Print actually aims to harness technology and data to mobilize capital for ESG projects. So this, they are very keen to work with industry on. And what they're looking for are companies that have technology to monitor ESG commitments and also measure the impact of these commitments. So if you're a company that works on ESG, so this could be using AI, satellite imagery, IoT kind of technologies. There's actually an email on the slide because they want to talk to companies like you and to see what's possible to be implemented in Singapore. Yeah. And of course, next week is the Singapore FinTech Festival. So if you've not already registered, do go and register for it. We've got a great lineup, 45 sessions focusing on Web 3.0. And we've got speakers like Vitalik Buterin, the founder of Ethereum, and Richards, the CEO of Fidelity International, and also speakers from Asia. So like Sabrina Peng, who is the president of Social Good and Green Development at Ent Group. Okay. So you might say, okay, that's all great, but so what, right? Where do we go from here? So if you're a fintech looking to set up in Singapore, I would say the first port of call should definitely be the Singapore FinTech Association, because they can help you gain that first network in Asia. And if you're looking to connect with financial institutions to maybe do some design some experiments, deploy your solutions as like POCs, you can join the API Exchange, which is an online platform to basically connect fintechs with financial institutions who are looking for solutions. And of course, the Monetary Authority of Singapore, the MES, is a critical stakeholder. So apart from the challenges they run, like, you know, the Global Accelerator, the Global FinTech Innovation Challenge, they also have a suite of innovation grants that they can avail to you, whether this is for capability development, adoption of new technologies, and also industry pilots. And if you have a solution that is not currently allowed by current regulations, they have a regulatory sandbox where within the sandbox, they actually give you the license to operate and to test and pilot your solution. Yeah. So I've been talking a lot about the MES because, you know, they're the regulators of the finance ecosystem in Singapore, and they also built the entire ecosystem for fintech. But where does the EDB that I represent come in, right? So in short, if you're looking to set up a company in Singapore, do business in Singapore, come and speak to us. What we can help you with is by availing some of these resources on how to get things done in Singapore, whether it's administratively or connecting with the right people, and or even finding talent by availing our resources and connections to you. So my name is Marianne. I hope you've learned something about the fintech ecosystem in Singapore today. And let's connect over LinkedIn. Yeah. Thank you very much. Thank you, Marianne. Thank you. Merci, Marianne. Donc vous l'avez compris, hein, l'écosystème fintech de Singapour est vraiment très pertinent et est vraiment très innovant. Et c'est quelque chose, effectivement, qu'on regarde de près côté finance innovation. On va passer à une présentation un peu plus détaillée des acteurs fintech à Singapour avec Marie Lemonnier de la Chambre de commerce française de Singapour. Alors Marie doit se connecter, c'est ça? Elle est là. Elle est là. Alors je suis là, Cyril. Je suis là, bonjour. Bonjour à tous. Très bien, je te laisse la parole alors. Super, ben merci beaucoup à vous, merci Finance Innovation, voilà, pour avoir l'occasion de présenter, de mettre un petit peu sur le devant de la scène Singapour. Merci voilà, aux sociétés aussi qui sont présentes. Mon discours, je vais du coup compléter ce que vous a dit effectivement Marianne. Thank you Marianne for this presentation.
L'idée, c'est de compléter un petit peu voilà, le discours de Marianne pour que vous ayez une idée en tête de ce qu'est vraiment l'écosystème FinTech à Singapour et de voir concrètement comment on peut voilà, vous aider à vous développer sur ce marché qui est vraiment un marché à très forte croissance. Hop, c'est moi qui passe les slides, je pense. Alors, en quelques mots, je vais commencer par vous présenter qui on est, la Chambre de commerce française de Singapour. Donc, la Chambre de commerce française de Singapour, il faut savoir qu'elle a plus de 40 ans d'existence à Singapour. C'est une des plus anciennes chambres même au monde. Donc, on est une association de droit singapourien à but non lucratif et autofinancé. Et on fait partie d'un réseau de 126 chambres françaises à l'international dans 96 pays. Notre mission, elle est simple. C'est de faciliter l'implantation et jouer un rôle d'accélérateur de développement des sociétés françaises à Singapour. C'est de développer les relations entre nos membres. Aujourd'hui, on en a plus de 650 et la communauté d'affaires singapourienne. Et à ce titre, effectivement, on travaille avec tout un écosystème, dont EDB et Marianne, que vous avez pu entendre juste avant moi. Et le but, c'est d'encourager les liens économiques et commerciaux et les relations d'investissement entre les deux pays. Je vais aller assez rapidement, mais pour vous présenter quand même la Team France Export. Donc, c'est à cette entité que je fais partie. C'est un petit peu spécifique à Singapour. Mais depuis le 1er janvier 2019, la Chambre de commerce française de Singapour s'est associée du coup à Business France pour proposer un service unique d'accompagnement des entreprises françaises à l'export, ce qu'on appelle la Team France Export. À Singapour, voilà, si vous cherchez les bureaux de Business France, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Business France, ils n'existent plus sur la partie export, mais c'est la Chambre de commerce qui s'occupe aujourd'hui de cet accompagnement. Et au sein de la Team France Export, du coup, nous accompagnons les entreprises françaises dans leur lancement et leur développement de leur activité à Singapour en leur proposant nos différents services, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et pour juste vous donner une idée, l'année dernière, malgré la crise et l'interdiction, on va dire le ban traveler de venir à Singapour, nous avons accompagné plus de 100 entreprises françaises avec deux pavillons français, dont le Singapore FinTech Festival, et quatre délégations. Donc voilà, je vais rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet. Sur Singapour. Voilà, je vais essayer de compléter les informations que vous a données Marianne. Donc, effectivement, Singapour, c'est l'un des membres fondateurs de l'ASEAN. Donc, l'ASEAN, c'est cette région d'Asie du Sud-Est. Et Singapour se situe vraiment au centre géographiquement de cette région. Pour vous donner, pour compléter ce qu'a dit Marianne, effectivement, l'ASEAN, c'est le troisième marché le plus peuplé après la Chine et l'Inde, qui représente vraiment une perspective intéressante pour les entreprises qui souhaitent développer leur activité dans cette région du monde. Par exemple, la population de l'Asie du Sud-Est devrait passer de 650 millions d'habitants aujourd'hui à plus de 710 millions d'ici 2030. Donc, pour vous donner un petit peu des perspectives de croissance. Singapour se situe vraiment au cœur de cette région et cette région devrait devenir vraiment le quatrième marché mondial d'ici 2030, derrière les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Donc, vraiment de belles perspectives et ce qui explique aussi ce pourquoi Singapour joue un rôle prépondérant dans cette région. Singapour, en quelques chiffres. Donc, effectivement, Singapour, c'est vraiment au cœur de cette région à forte croissance. Elle bénéficie d'une position vraiment incomparable et joue vraiment le rôle, ce qu'il faut comprendre, de plateforme logistique et commerciale au sein de cette région. Pourquoi ? Parce que Singapour déjà jouit d'un environnement des affaires extrêmement favorable. Singapour attire les sièges sociaux, les entrepreneurs, les talents, notamment grâce à sa capacité d'innovation. Singapour, c'est un pays très cosmopolite avec une population de 5,7 millions d'habitants. Et ce qui est une particularité dans la région, mais ce qui est très appréciable, c'est que bien que Singapour dispose, comme vous pouvez le voir, de quatre langues officielles, la langue de travail, c'est l'anglais et ça facilite vraiment grandement les échanges. Et ça, c'est une vraie force pour Singapour. C'est un pays ultra développé hein, et la prévision de croissance pour 2021 est estimée entre 4 et 6%, voilà, pour vous donner une idée. Et juste quelques petits mots sur l'économie et notamment l'économie en fait, de Singapour repose sur trois piliers.
Alors, l'industrie manufacturière, les activités de commerce et les activités financières et les services aux entreprises à hauteur de 15,7%. Donc, il faut savoir que voilà, le secteur financier est le troisième vraiment pilier de Singapour à hauteur de près de 16% du PIB. Et pourquoi en fait les secteurs de croissance sont ceux-là? C'est parce qu'ils reposent vraiment sur des industries de pointe et d'innovation, d'où le secteur fintech dans les services financiers, puisque Singapour veut vraiment se positionner en fait sur cette partie très innovante. Juste dernier mot sur la partie Singapour et environnement des affaires. Pourquoi en fait Singapour est aujourd'hui en fait le hub sur cette région? C'est notamment, on va dire, à quatre volontés gouvernementales. C'est une fiscalité hyper avantageuse pour les entreprises, avec un taux d'imposition sur les sociétés capé à 17%. Des systèmes réglementaires clairs et transparents dans tous les domaines. Pour faire simple, en gros, Singapour, il n'y a pas de corruption. Une réglementation douanière très libérale. 99% des produits importés sont exempts de douane, sauf bien évidemment l'alcool, les voitures et le tabac et le carburant sont taxés. Et puis, une forte protection de la propriété intellectuelle. Et pour vous donner un chiffre, 90% des demandes de brevets à Singapour résultent d'entités étrangères. Donc, elles profitent vraiment d'un système de protection de la propriété intellectuelle qui est très efficace. Et pour info, voilà, s'il y a besoin, c'est piloté par l'agence gouvernementale APIOS. Voilà, si jamais il y a besoin. Ah ouais. Donc maintenant, on va parler, voilà, on va rentrer dans le cœur de sujet qu'est le fintech. J'espère que voilà, ça vous a donné une big picture et que ça a complété le propos de Marianne. Voilà. Comme vous le savez, c'est pas nouveau. Singapour est vraiment un centre financier d'échelle mondiale et souvent comparé, par exemple, à la Suisse de l'Europe. Donc le secteur bancaire et assurance représente près de 16% du PIB national. A quand même connu une progression de 3 points de pourcentage en 2020. Donc, c'est un secteur qui ne cesse d'être en croissance. Aujourd'hui, il existe près de 200 institutions financières et 250 fonds d'investissement, dont 150 fonds de capital risque. Et le secteur emploie plus de 200 000 personnes. La place bancaire est très internationalisée avec pas moins de 117 banques étrangères, dont les trois gros groupes locaux que sont DBS, OCBC et UOB. Voilà, pour vous donner quelques chiffres, puisque Singapour, c'est le pays des classements, donc voilà, faut sortir les chiffres des classements. Singapour est classé donc 5e centre financier le plus compétitif au monde, 3e place financière mondiale pour les opérations de change et 1ère place mondiale en pénétration bancaire en ligne. Et effectivement, concernant le secteur fintech, comme Marianne l'a précisé, il y a plus de 1400 startups fintech, plus de 50 incubateurs et accélérateurs. Et aujourd'hui, Singapour est positionné comme la 4e région mondiale de la fintech et est vraiment le centre névralgique de l'ASEAN sur ce secteur. Et cette industrie connaît encore un essor considérable, notamment en ce qui concerne les secteurs, par exemple, tels que l'intelligence artificielle ou la blockchain. Et pour vous donner une idée, les investissements en fintech ont atteint un record en 2020 avec près de 760 millions de dollars USD. Voilà. Alors, pour compléter effectivement le discours de Marianne, il y a tout un écosystème qui est largement favorable. Sur Singapour, il est important de comprendre que l'écosystème est très connecté et innovant. Et il y a vraiment un rôle qui est joué donc, par la masse, qui joue le rôle de la banque centrale et d'autorité de régulation financière de Singapour, qui est très importante. On reviendra un petit peu plus tard sur le rôle de la masse, mais il y a comme également plusieurs acteurs privés ou bien publics. Donc, Marianne en a parlé, hein, Singapore Fintech Association, qui a pour but de faciliter la collaboration entre les acteurs du marché et les parties prenantes de l'écosystème. Et puis, effectivement, il y a un gros événement donc organisé par la masse, le Singapore Fintech Festival, qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Donc, cette année, il aura lieu la semaine prochaine. Et il s'agit du plus grand événement autour des technologies financières au monde. Voilà, j'en reparlerai aussi un petit peu plus tard. Et puis pour finir, voilà, pas mal d'accélérateurs et d'incubateurs. Notamment, je cite le 80RR qui accueille les startups fintech ou bien les labs des différentes banques comme DBS ou celui de UOB ou OCBC.
Donc, vraiment un réseau d'acteurs, que ce soit privé ou public, qui est vraiment un écosystème très, très vibrant, très innovant et qui fonctionne tous main dans la main. Je vais faire un petit focus maintenant sur la masse. Hop. Voilà. Pourquoi donc la masse, donc équivalent de banque centrale, souhaite vraiment faire de Singapour ce qu'ils appellent un Smart Financial Center. Et ils ont bien compris l'enjeu des technologies financières et des fintechs pour ça. Du coup, effectivement, un fintech office a été créé au sein de la masse qui a pour objectif vraiment de faciliter la création de startups fintech et de les aider à collaborer avec le système financier en place. La masse a mis un certain nombre de mesures en ce sens. Marianne en a parlé. Il y a eu notamment un plan de développement de l'écosystème fintech sur 5 ans doté de 165 millions de dollars. Voilà, j'ai juste mis deux petits points importants que je souhaite mentionner. C'est quelques exemples lancés par la masse. Par exemple, la mise en place d'une sandbox pour tester les technologies financières sans nécessité de s'adapter à la réglementation. Et la création d'une plateforme KYC qui rassemble les données sur les citoyens et qui est mise à disposition des institutions financières. Donc, le rôle de la masse, c'est deux points que j'ai mentionnés, mais il y en a pas mal. Hein. Marianne a parlé d'APX aussi. Enfin, voilà, il y a pas mal d'initiatives. Et l'idée, c'est vraiment de renforcer la collaboration avec les systèmes, on va dire, traditionnels et toutes ces innovations financières. Et pour ça, ils sont quand même très forts. Un petit point également, pardon, hop, sur Marianne l'a mentionné aussi, sur une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps, et c'est, je pense, important de le mentionner, c'est le Payment Service Act, donc qui a été adopté le 14 janvier 2019 et entré en vigueur le 28 janvier 2020, mais c'est d'actualité puisque les débuts des activités vont commencer en 2022, et ça, c'est très intéressant. Cette loi porte sur la réglementation des systèmes de paiement et des prestataires de services de paiement à Singapour. Elle a trois objectifs, c'est assurer la sécurité réglementaire et la protection des consommateurs, encourager l'innovation et la croissance des services de paiement et développer l'innovation dans les services financiers et donc le secteur fintech. Concrètement, c'est quoi ? Ils ont ouvert quatre nouvelles licences de banques numériques. Et ces licences de banque numérique permettront à des entités, et ça, ce qui est intéressant, c'est y compris des acteurs non bancaires, d'exercer des activités de banque numérique à Singapour. Le début des activités devrait être débuté en 2022, donc c'est quatre premières nouvelles licences, mais il pourrait y en avoir d'autres. Il y a eu notamment deux licences de banque numérique complètes à des acteurs non bancaires, dont le consortium Grab Sintel et la licorne CA Limited. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'était vraiment des très gros acteurs sur Singapour. Et en fait, ces acteurs, comme les banques traditionnelles, ces acteurs pourront fournir aux particuliers des services tels que l'ouverture de compte, les dépôts et l'émission de cartes de crédit ou de débit. Voilà, un acteur vraiment non bancaire à qui on ouvre cette possibilité-là. Et également deux licences de banques numériques de gros. Alors voilà, j'ai mis les noms parce que je ne vais pas tous les lister. Mais notamment Ant Group, qui est un énorme gros groupe consortium à Singapour, avec également Greenland Financial Holding. Donc, c'est intéressant de voir comment la législation, en fait, à Singapour, et notamment à travers l'impulsion de la masse, peut très rapidement mettre en place des innovations, notamment, par exemple, là, je donne l'exemple donc, du Payment Service Act à travers la mise en ligne de nouvelles licences de banques numériques à des acteurs non bancaires. Donc, ils sont vraiment très agiles. Ils ont vraiment la volonté d'aller plus loin dans la façon de réinventer tous les systèmes financiers. Et ça, c'est très intéressant. Et Marianne en a parlé avec l'exemple, par exemple, de l'Indonésie. C'est qu'effectivement, en terme de paiement, l'Asie du Sud-Est est vraiment très avancée en termes d'innovation sur cette partie-là. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant de le mentionner pour nos fintechs françaises parce que ça laisse place à pas mal d'opportunités. Ensuite, tac. Ouais, je pense qu'on est bon. Alors, la présence française à Singapour. En fait, il y a une très, très grosse présence française à Singapour. C'est un tout petit pays qui est très éloigné. Mais alors, les Français, on est bien présents. Bon, juste à titre informatif, on a à peu près 20 000 Français
en termes de communauté à Singapour. Et bah, sur le secteur fintech, il y a eu en 2020 l'ouverture du 10e bureau à l'étranger de la Banque de France. Donc, ce n'est pas anodin, ils ont un bureau à New York et un bureau à Singapour, c'est les deux bureaux à l'étranger. Et ce bureau assure un suivi renforcé des places financières asiatiques et développe des échanges de proximité avec les banques centrales et les autorités financières de la région. Il y avait eu un premier accord qui avait été signé en 2017 entre l'ACPR, l'AMF et la MAS pour renforcer la coopération justement fintech entre les deux pays. Et depuis cette ouverture de bureau, la MAS et la Banque de France prévoient vraiment de développer leur coopération en matière de fintech et de finance verte. Je vous ai mis un exemple, puisque c'est le dernier en date, un exemple d'expérimentation conjointe entre la Banque de France et la MAS. Donc, la Banque de France et la MAS ont annoncé avoir conduit donc, le 18 juin dernier, donc il n'y a pas très longtemps, avec succès, une expérimentation de paiement transfrontalier utilisant la monnaie numérique de banque centrale, ce qu'on appelle MNBC. Cette expérimentation a montré en fait qu'il était possible de mettre en place une interopérabilité entre les MNBC utilisés par les banques centrales. Et il s'agit de la première expérimentation de ce type en utilisant la technologie de la blockchain. Donc voilà, il y a eu l'annonce qui a été faite ce 18 juin dernier avec cette réussite. Voilà, d'autres collaborations, je pense, vont venir. Mais voilà, pour vous dire que les deux acteurs, on va dire, un peu étatiques sont bien connectés ici à Singapour. Côté privé, il y a pas mal d'acteurs, effectivement, français. Cyril le citait en début. Que ce soit par le biais d'une maison mère en France ou une filiale, la présence des fintechs françaises est variée. Alors on peut, voilà, j'en ai cité quelques-unes, mais on a effectivement Genji et Monitor qui sont là pour parler de leur expérience et je les remercie à tous les deux d'être présents. Mais voilà, on peut citer Ledger, Shift Technology, Transfer2, IncomeLand. Voilà, il y a vraiment une bonne base active de fintechs françaises. Et puis, une présence française qui, effectivement, ne passe pas non plus inaperçue tous les ans, c'est bien évidemment la présence de la France sur le Singapore FinTech Festival. Donc, on vous en parle, mais c'est parce que c'est vraiment un événement à ne pas manquer. La dernière, malheureusement, édition physique, ce fut celle de 2019, qui a rassemblé près de 50 acteurs françaises. L'édition de 2020 était en digital. Il y a eu quand même un bel événement qui a eu lieu, ben, notamment au Palais Brongniart, en présence du ministre Cédric O et de l'ex-présidente de la French Tech, Kat Bollorgam. Et en 2021, effectivement, il y aura également une présence de la France qui sera aussi digitale, voilà, pour des questions de crise sanitaire et de restrictions, avec un stand Choose France, la French Tech, en partenariat avec CACIP sur le Singapore FinTech Festival. Et allons voir un petit peu plus loin d'ici un an, en 2022. On serait mais ravis, et pour le coup, on y croit, d'accueillir en physique de nouveau les boîtes françaises sur le sol de Singapour. Donc voilà, on a eu deux éditions, on va dire, digitales, 2020 et celle qui va se dérouler la semaine prochaine de 2021. Surtout, ne la manquez pas, je vous conseille vraiment d'aller voir un peu ce qui se passe. C'est facile, c'est en digital, donc il suffit juste de se connecter. Mais voilà, on espère en 2022, avec voilà, l'aide aussi de Finance Innovation, de pouvoir vous recevoir tous ici à Singapour et de faire voilà, une belle délégation et de pouvoir profiter voilà, de toute cette énergie qu'il y a pendant cet événement. Vraiment une très belle énergie et puis surtout de belles opportunités business. Et je vais… Hop, voilà, une dernière slide. Juste pour concrètement, on vous vend Singapour et là, je suis sûre que vous avez envie de venir nous rejoindre et faire du business ici. Concrètement, comment on peut vous accompagner et comment on peut vous aider? Donc là c'est, j'ai mis les petites photos voilà, du Singapore FinTech Festival de 2019, donc qui était la dernière édition en physique. Donc, on espère renouveler ça en 2022 et en tout cas, on va renouveler ça en 2021 de façon virtuelle. Concrètement, comment on peut vous accompagner? On peut vous accompagner ou de façon individuelle ou de façon collective. De manière individuelle, on peut vous accompagner de trois façons. En fonction de votre niveau de maturité et en fonction voilà, de votre connaissance sur le marché de Singapourien.
Bien sûr, vous pouvez m'appeler, vous pouvez demander à Cyril mes coordonnées. Enfin, il y a pas de souci, je pourrais parler avec vous pour initier les échanges. Mais concrètement, on peut vous accompagner soit par une étude de marché, c'est déterminer la pertinence du projet du client et appréhender les freins, identifier les nouvelles opportunités. Donc, c'est vraiment plus en amont, quand on est dans une réflexion vraiment en amont. Ou on peut, et ça marche très bien dans le secteur de la fintech, et c'est souvent comme ça aussi qu'on procède, faire un test en fait de vos services. Le but, c'est de collecter, avant de venir, c'est de collecter les informations sur les principaux opérateurs concurrents du marché local et tester la pertinence de votre offre sur le marché singapourien. Et ça permet d'anticiper la troisième façon de vous accompagner, qui est la mission de prospection, où là, on vous accompagne sur la recherche et l'identification de partenaires commerciaux potentiels afin d'organiser un planning de rendez-vous B2B. C'est la façon individuelle d'accompagner les sociétés. Et la façon collective, c'est bien évidemment les salons et les pavillons français, avec l'exposition sur un pavillon France labellisé sur l'un des salons quand même internationaux et phares de la FinTech, donc le Singapore FinTech Festival. C'est via des délégations, en participant à une semaine de découverte et de rencontres business dans un secteur donné, et notamment de la FinTech, et des Learning Expeditions. Donc, concernant la FinTech, s'il y a bien un moment à ne pas manquer, c'est en novembre, ça se passe la semaine prochaine, en digital cette année, et ravie de vous accueillir en physique l'année prochaine, puisque maintenant, Singapour a réouvert tout juste ses frontières. C'est en train de se mettre en place, mais maintenant, vous allez pouvoir, sans quarantaine, venir faire du business à Singapour, et on est ravis que ça se passe comme ça, et d'accueillir de nouveau les sociétés françaises. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, j'espère que ça vous a donné un premier niveau d'information, que ça vous a donné envie de venir. Et en tout cas, s'il y a de belles opportunités ici, ce n'est pas pour rien. C'est un pays solide qui offre vraiment de belles opportunités aux boîtes françaises. Et n'hésitez pas à revenir vers moi. Et la prochaine fois, promis, je viendrai en physique et je viendrai vous rencontrer physiquement. Voilà, je repasse la parole. Merci Marie, je crois que tu nous as vraiment donné envie d'être à Singapour en 2022. Donc voilà. Donc je pense qu'on y sera tous et effectivement Finance Innovation accompagnera nos fintech sur justement ces événements un petit peu phares et la découverte de cet écosystème. Après ces présentations de Marianne et de Marie, je propose de passer un petit peu au retour d'expérience avec nos entrepreneurs qui sont installés à Singapour. On verra un petit peu s'ils vont corroborer. La belle image qui est donnée de cet écosystème. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Nui, Managing Director de Monitor. Stéphane, tu peux me rejoindre sur scène. Et Sylvain Pasquereau, VP Finance et People chez Genji. Merci. Bonjour. 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 Donc, vous l'aurez compris, l'idée, c'est d'avoir un retour d'expérience, en quelque sorte in vivo, de fintech française installée à Singapour. Alors, je propose avant de rentrer dans les détails que chacun puisse se présenter. Stéphane, tu peux présenter ce que tu fais, ouais. Monitor. Donc, Stéphane, oui, je suis cofondateur de Monitor. Monitor, on a une solution pour les banques qui leur permet d'analyser les transactions des clients dans le monde clientèle particulière ou PME, SMEs, pour générer des recommandations, des alertes, tout ce qui est nudge pour accompagner le client. Donc, c'est une surcouche. On fournit aussi tout ce qui est PFM, qui est beaucoup plus statique, mais tout ce qui est catégorisation, gestion de budget, projet d'épargne, etc. Mais avec ce gros plus, ce gros moteur de recommandation qui permet vraiment d'être utile aux clients et de générer de l'engagement digital. C'est critique pour les banques aujourd'hui qui ont moins de contact avec leurs clients, qui recherchent de l'engagement digital. Et ce qu'on fournit, c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui aux banques. On est, je reviendrai là-dessus, mais on est donc trois Français cofondateurs. Moi je suis basé à Paris, mes deux collègues à Singapour, donc on y reviendra. Et on existe depuis 2013, donc on est déjà une vieille fintech, mais on se considère encore fintech. Et on a des clients, pour vous donner un peu notre niveau de maturité, on est vraiment en mode développement commercial. Hein. En France, on est avec Orange Bank, avec Arkea, pour les nommer, sur l'Asie. On est avec DBS à Singapour, Standard Chartered aussi sur toute l'Asie et d'autres banques. Et on a aussi des clients au Moyen-Orient maintenant et au Canada. Très bien. Sylvain?
Le statut de fintech ne se périme pas. On code encore, je code encore. Je vous l'espère. Donc moi, c'est Sylvain Pasquereau. Je suis donc le DAF DRH de Genji, une boîte de 60 personnes créée en 2015. Donc que fait Genji? C'est une solution SaaS web et application mobile d'expense management qui regroupe la gestion de frais et la dépense professionnelle au sens large. L'idée derrière la création de Genji, c'est le parcours des deux fondateurs, que sont Pierre Kenec et Nicolas André. Et au travers de leur boîte précédente, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un problème sur la gestion de cette brique au sein de la fonction finance. La note de frais et la dépense professionnelle, c'est un peu le parent pauvre d'une direction financière, et qu'il n'y avait que des solutions qui étaient plutôt rigides et pas adaptées à toutes les sociétés et surtout pas digitalisées. Donc c'est un peu la genèse de Genji. Aujourd'hui, on a 35 000 clients et on gère un peu plus de 2 millions d'expense reports par mois. Donc c'est vraiment un domaine où il y a beaucoup de flux. Et nous, on emmène de la data et de l'intelligence derrière cette brique financière. Et comme je le disais, c'est souvent un processus qui est compliqué chez les boîtes. Donc voilà, on se propose de le faire. Et effectivement, depuis un an, on est à Singapour. D'accord. Bon, oui, on a bien compris que, évidemment, vous êtes à Singapour, mais avec des temporalités différentes. Alors Stéphane, toi, tu es à Singapour depuis le début. Alors que Sylvain, ça fait juste un an. Tu peux nous expliquer les raisons de débuter directement cette activité de fintech à Singapour avec tes associés? Quelle a été un petit peu ta stratégie justement d'approche sur ce marché? Oui, je pense que c'est intéressant d'avoir les deux approches. Ouais, tout à fait. Parce qu'on a conscience, on a une approche un peu spécifique, mais on a démarré vraiment à Singapour et en France au même moment. D'accord. Voire même quelques mois avant à Singapour, mes deux associés. On travaille depuis plus de 30 ans ensemble, en fait. Ils étaient déjà là-bas, donc avec déjà une connaissance du marché, mais du coup déjà avec aussi des visas, donc ça facilitait aussi l'installation. Et stratégiquement, on s'est rendu compte aussi qu'en démarrant sur Singapour, on avait la chance d'être au cœur de l'Asie du Sud-Est et d'avoir un marché international déjà à portée de main. Aussi, ça nous permettait de nous différencier de nos concurrents sur le marché financier qui était plutôt basé en Europe ou aux US. Et donc, d'être vraiment des locaux, avoir un service plus proche des banques d'Asie du Sud-Est. Et c'est un gros différenciateur qui a prouvé bien fonctionner. On a beaucoup plus de banques clientes en Asie du Sud-Est qu'en France-Europe. Donc on a monté vraiment les structures Singapour-France, mais c'est à Singapour qu'on a notre propriété intellectuelle. Mes deux associés, c'est le CEO et CTO, c'est là-bas qu'on a le centre de développement mondial, le core business, on le sent là-bas, et ça a démarré comme ça, et on s'est vraiment rendu compte que c'était la bonne approche. Après, en termes de démarrage, c'est de la fintech, donc que ce soit à Singapour initialement ou en France, on a développé sur fonds propres, on a fait des protos, des démos, des appels d'offres, chercher le premier client, donc rien de nouveau là-dessus. Après, par contre, on connaît tous l'importance du premier client. On a eu la chance d'avoir comme premier client DBS, qui est la principale banque singapourienne et énorme dans la région, qu'on ne connaît pas forcément bien en France. L'importance du premier client, le rôle et la notoriété a été plus forte en Asie du Sud-Est, je dirais. Cette référence-là, DBS, n'était pas très connue en Europe, nous a pas trop servi en Europe, alors que ça nous a boosté sur tout l'Asie du Sud-Est. Sylvain, toi, donc du coup, l'arrivée est un peu plus tardive. Je pense qu'il y a une logique un peu plus cocardière dans un premier temps chez bien Genji, sûr. Et l'activité est différente aussi. Donc, tu peux nous expliquer très un petit peu. Ouais. Pour rappel, on a créé Genji en 2015. Il y a eu 2 ans de développement produit et propriété intellectuelle. Et ensuite, il y a eu la phase de commercialisation. Dès le début, Genji a été pensé pour se tourner vers l'international. Brand global. Voilà, est une brand global.
Et ça faisait longtemps qu'on pensait à ouvrir un bureau en Asie. Et donc, du coup, après quelques études de marché, on a vite compris que Singapour, c'était l'endroit où on pouvait attaquer la zone Asie de manière assez simple. Et notamment, donc, alors là, je vais faire une passe décisive à Marie. C'est que bon, tous ces slides, c'est tout ce qu'on a fait. Donc c'est simple, le slide sur l'accompagnement. Et nous, on a fait le playbook. On s'est tourné avec nos partenaires, que ce soit BPI, Business France et l'AFCC, donc à Singapour. On a pris contact avec eux, je crois, le 15 septembre 2020. Et ce qui est rigolo, c'est que le 5 novembre 2020, soit il y a un an, on a eu la création de la Genji PT Limited. Donc, joyeux anniversaire à cette boîte. Et l'idée, c'était vraiment d'attaquer dans un premier temps les boîtes, les filiales de clients français qui avaient des filiales à Singapour. C'était de rentrer grâce à eux, d'avoir nos premiers clients là-bas. Et ensuite d'avoir les autres et attaquer d'autres pays, mais via le hub qu'est Singapour. Donc Marianne et Marie l'ont bien dit, c'est le vrai hub d'Asie et c'est le point névralgique en fait. D'accord. Et on s'en rend bien compte. D'accord. C'est vrai que souvent en Asie, on a Hong Kong aussi en tête. Oui. Donc on a bien compris que Singapour, effectivement, il y avait beaucoup d'avantages comparatifs, que ce soit d'un point de vue réglementaire, fiscal, de talent, de services et acteurs financiers. Hein, je veux dire, ça, c'est un pool de la finance internationale. Aujourd'hui, en tant que fintech française, est-ce que l'accueil a l'air aussi facile que le présente Marianne? Est-ce que c'est vraiment facile de s'insérer dans cet écosystème? Quelle est un peu la vision, j'ai envie de dire, backstage, vraiment, voilà, je m'installe, est-ce que c'est compliqué? J'imagine qu'il y a des questions de visa. Le Covid a été très dur, hein, c'était pas facile, hein, je crois qu'à Singapour, les restrictions sanitaires étaient très fortes. Comment vous avez perçu un petit peu tout ça? Et puis comment vous avez essayé de métaboliser un petit peu tous ces éléments pour pouvoir continuer votre business, en fait, hein, puisque on est sur du digital. Donc moi, j'ai plutôt une approche, c'est pas l'approche d'une fintech présente en France qui se déplace à Singapour. Hein. Oui. Donc, c'est peut-être pas les mêmes pistes d'accompagnement, mais très vite, le fait d'être présent à Singapour, d'être une fintech vue comme réellement comme une fintech singapourienne, on a vraiment bénéficié de l'accompagnement de Singapour et d'Enterprise Singapour. D'accord. Pour démarrer, en fait, en France, on a eu l'accompagnement de Finance Innovation. À Singapour, il n'y avait pas grand-chose au début. C'était en 2013, donc il n'y avait pas de tel accompagnement. Donc, ça a été plus accompagné en France. Par contre, par la suite, Enterprise Singapour aide vraiment les fintechs singapouriennes ou les sociétés présentes à Singapour. Hein, donc, ça peut aussi peut-être marcher pour une filiale, pour ta filiale là-bas, à se développer, mais par des choses très, très pragmatiques. On n'avait pas besoin de lever des fonds. Donc, on n'avait pas besoin de ce qu'il y a avec la BPI, etc. On avait plutôt besoin de trouver des clients. Et l'accompagnement fourni, c'est un peu comme on voit ici l'accompagnement sur les salons, mais aussi des tours. Par exemple, on a été accompagné pour un tour au Moyen-Orient, un tour au Canada, où Enterprise Singapour mettait dans la balance le Singapour Festival, tout le gouvernement singapourien pour ouvrir des portes et nous permettre de rencontrer les banques. Donc, accompagnement très, très pragmatique de rencontres, souvent gratuit. Gros accompagnement. Après, sur le marché aussi, je confirme ce qui a été dit par Marianne, le marché est énorme en termes de population. C'est un marché, il y a énormément de personnes non bancarisées. Donc, pour une fintech, c'est extrêmement intéressant en termes de perspective. Avec des grosses différences aussi entre Singapour et Hong Kong et l'Indonésie, c'est pas du tout le même niveau de développement. Donc le nombre de cas d'usage qu'on rencontre, c'est juste énorme et ça nous permet de construire notre solution, de grossir nos cas d'usage et par ricochet d'être super intéressant pour les banques ici en Europe parce que on a accumulé beaucoup de connaissances, beaucoup de cas d'usage. Donc ce marché est réel. Et je rejoins ce que tu dis, Singapour, c'est le hub parfait
pour l'attaquer. La zone. Pour l'attaquer. Ouais. Après, côté plus anecdotique, mais et on y reviendra aussi, c'est à la fois un des fois un inconvénient, mais sur le côté un avantage et un inconvénient. Mais là, il y a le marché est petit à Singapour. C'est un marché petit. Par contre, tout de suite régional. Exactement. Et donc, quand on va là-bas, il faut se positionner sur l'international, sur la région. Il ne faut pas penser frontières, en fait. Faut pas penser frontières, faut pas penser domestique. La communauté d'expats, effectivement, elle est énorme. Et pas que expats français, hein, c'est une communauté. Oui, et ça ouvre des opportunités assez incroyables. On a ouvert un bureau à Tokyo. On ne parle pas japonais, donc on cherchait quelqu'un pour, parlant japonais, et ben. Dans le milieu expat, il a suffi de demander est-ce que quelqu'un connaît un mari, une femme japonais, japonaise, prêt à travailler, cherchant un boulot. Et ben on a trouvé en une semaine. J'imagine même pas le faire ici. Donc il y a ce côté-là. Alors on y reviendra. Hein, le talent de il y a le talent de ressources, en fait, le talent de pool est compliqué. C'est dur de trouver des ressources tech à Singapour, mais on y reviendra peut-être plus tard. Ouais, très bien. Donc, ce qui est intéressant, Stéphane, dans ce que tu disais, c'est que toi, tu es perçu comme une fintech singapourienne au début. Je suis réellement, ouais, parce ouais. que. C'est ça, voilà. Ouais, ouais. Alors que toi, Sylvain, tu as. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est pas péjoratif, non, hein, mais c'est sûr, juste c'est que du coup, on a la charge de la preuve, en fait. On a la charge de se faire connaître. Nous, on est arrivé, on a créé notre BizFile le 5 novembre 2020. Maintenant, on n'était pas grand monde, on n'était personne quand on est arrivé là-bas. Même si on avait déjà des téléchargements d'applications, il a fallu faire le triptyque habituel, à savoir faire du marketing. Donc, commencer à acheter de la pub. Ensuite, à faire de l'organique, à se faire connaître via de la documentation sur la dépense professionnelle, l'expense management à Singapour. Donc, il a vraiment fallu se faire connaître. Ensuite, on a quand même eu la chance d'être accompagné par la FCC, l'IDB. On a notre employé qui est là-bas, qui est Chi Lang. Donc, c'est un Singapourien. Il avait les connexions et tout de suite on s'est dit qu'il fallait on avait déjà en amont de phase on avait déjà créé des leads quand même parce que pour pas arriver et faire un départ arrêté fin 2020 et ensuite on s'est tout de suite porté aussi sur les partenariats de ce qui permet déjà un de se faire connaître de prouver que notre solution est très viable. Bon, c'est plus facile quand on a des clients du CAC 40 en France. Donc, on avait quand même un peu la charge de la preuve. L'autre sujet qui n'a pas été simple, c'est que, comme tu le disais, c'est un petit marché régional, mais in fine, il y a quand même beaucoup de physique. Sur les meetings et le Covid n'a pas aidé. Donc ça c'est après c'est ça n'a pas été dramatique mais parce qu'on est sur une solution digitalisée mais c'est dommage de pas avoir pu nous y aller parce que à la fois les fondateurs de Genji moi on n'a pas pu aller à Singapour, on n'a pas pu serrer la main de nos équipes là-bas. Enfin c'est ça qui était la difficulté de notre implantation en termes de timing. Très bien. Pour rebondir sur ce que tu parlais des partenariats, ouais. Et c'est vrai que c'est un point à considérer aussi quand on veut s'installer dans la région et considérer Singapour comme le hub. C'est aussi le hub de gros partenaires. Nous, on a été embarqués dans le programme de Mastercard StartPass. Leur hub régional, c'est Singapour. Et donc, c'est via Mastercard Singapour qu'on a été embarqué dans leur programme StartPass et qu'on est maintenant devenu partenaire Mastercard. Donc, c'est important aussi. Les gros partenaires sont là-bas également. Une forme de parrainage, en fait. Exactement. D'être légitimé. Exactement. Ah, ouais. Et puis, partenariat, business aussi avec certains acteurs. Donc, typiquement, des banques françaises installées à Singapour nous ont un petit peu aidé. Banques françaises. Et puis, des banques de là-bas
qui veulent rajouter, souvent des néobanques, qui veulent rajouter une brique à leur service, et qui est la solution de, de la gestion des flux de dépenses professionnelles. C'est une notion qui est encore mal, enfin, à Singapour, pour parler spécifiquement du pays, c'est encore culturellement, ils ont des solutions qui d'acteurs singapouriens. D'accord. Mais une référence un peu nationale, cocardière sur certains. Ouais. C'est possible. Ouais. Mais enfin, voilà, ça commence à bien marcher pour nous. Et justement via ces petites étapes, que ça soit la recherche de partenariats, que ça soit business, que ça soit en termes d'image. Et puis aussi, après, il y a le data crunching, comme je dirais, où bah, il faut faire le métier de sales et de marketing, ouais, comme on le ferait aussi en Europe ou aux US. On ne peut pas faire ça, en fait. Oh, très bien. Du coup, Marie évoquait cet événement, donc le FinTech Festival. C'est un événement auquel vous avez participé. Est-ce qu'il y a un équivalent pour vous en Europe, ou c'est vraiment l'événement totem qui montre la volonté gouvernementale des différentes institutions de promouvoir la fintech, de promouvoir l'écosystème? Il y a quelque chose qui vous a marqué au-delà des sandbox hein, qui sont, ouais, reconnus pour ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un équivalent en Europe de cet événement pour... Peut-être pas à ce niveau, ouais, en termes d'événements régionaux. Ouais. On y a participé tous les ans, et on y participe aussi cette année. C'est l'événement régional. En Europe, on va voir sur la France le Paris FinTech Forum. Ouais. Il y a Vivatech. Ce sont pas forcément les gros événements européens, ouais, alors que le Singapore Festival est vu comme l'événement marqueur de toute la zone. Après, c'est énorme, hein, oui, presque trop gros. Donc, une anecdote assez intéressante, c'est qu'on a généré, nous, des leads français. Là-bas. Parce que la proximité se fait. Ouais. On a beaucoup d'acteurs bancaires français qui vont se déplacer sur le Singapore FinTech Festival qu'on n'aurait jamais réussi à rencontrer à Paris. Alors que là-bas, ben, ils sont plus accessibles, ils ont plus de temps. Ouais. Donc, c'est assez incroyable. Moi, je reçois des leads de mes collègues à Singapour via le festival. Très intéressant. Il y a vraiment cette notion de polarisation à l'événement de FinTech mondial. On a des FinTech qui nous écoutent ce matin. Si tu avais des conseils à donner, une anecdote à partager, mais enfin voilà, je suis une FinTech française, je veux m'installer à Singapour. Est-ce que tu as quelques tips à nous partager? Moi, le gros conseil, c'est de penser tout de suite international. Donc, et nous, c'est ce qu'on a fait. On n'est pas resté sur le marché français, enfin, ouais, dès le départ. Ouais. Et c'est ça que c'est le message que je pousse à toutes les fintechs françaises. C'est nous, les frontières n'ont pas de sens. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite considéré s'installer à Singapour, démarrer à Singapour, voilà, mais pas comme au départ. C'est aussi sans frontières, c'est-à-dire que c'est pour attaquer toute la région. On parlait beaucoup de la région qui crée beaucoup de néobanques. C'est ça, c'est pas seulement Singapour, c'est Hong Kong, la Malaisie s'y met. Donc, c'est pensée internationale. Et dans ce cadre-là, Singapour, c'est vraiment le hub régional. Il faut voir aussi que ce qui a marché pour nous, c'est de ne pas rester… la compétition est plus difficile en Europe, je pense. Moi, j'ai plus du mal à aller sur l'Allemagne, sur d'autres pays européens. Là-bas, de Singapour, il n'y a aucun souci pour adresser les pays de la région. Ouais. Donc, c'est vraiment ça le message. Pensée internationale. Je te rejoins. Nous, on avait déjà un bureau en Australie, en Suisse et plusieurs en France et l'Allemagne. Mais tout de suite, on s'est dit qu'il fallait avoir une position, un pied à terre en Asie, oui, et donc Singapour. Moi, je suis directeur financier, donc on ne va pas me changer maintenant. Voilà, il faut bien se baquer avant de partir quand même. C'est-à-dire que monter une filiale à l'étranger, il y a quand même un coût, quand même, in fine. Il y a surtout des emplois aussi. Sur place, donc il faut bien se renseigner. Je pense qu'il faut pas juste partir comme ça en se disant ça va être facile. Je dis pas que ça l'est pas,
c'est parce que ça se passe plutôt bien, mais c'est, il faut vraiment faire un beau budget, parler avec la BPI. Donc là, je parle de Marie, des équipes de la FCC qui nous ont franchement accompagnés. Super. Donc, et tout le monde était bienveillant. Je pense que en un mois, j'ai dû faire virtuellement tous les services de la FCC. Je connaissais les lieux par cœur. Non, c'est. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu un accompagnement qui a aidé, mais c'était un marquage à la culotte, clairement. Et c'est pour ça que ça s'est bien passé, en fait. Ouais. Et je pense que vraiment, il faut travailler son sujet avant, générer un peu de lead. Donc, à la différence de toi, quand tu t'es créé directement là-bas et en France. Quand on part à l'étranger, dans le SaaS, un marché concurrentiel, il faut se backer avant de partir quand même. Après, c'est vrai que bon, il y a les conseils qu'on donne là, mais il y a aussi des choses à anticiper, des problèmes ou de. On a déjà mentionné, c'est un marché petit, donc il faut penser tout de suite régional, je pense. Il y a la problématique des visas qui peut arriver. C'est sur courant alternatif. Ça ne nous a pas dérangé au début. On a eu des fois plus de difficultés. Donc, c'est quand même un sujet à considérer. Même si on peut être accompagné, on en parlait avant, on peut vraiment être accompagné pour ça. Le troisième point qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est j'en parlais un peu tout à l'heure, le pool de talents. Très dur de trouver des ressources tech à Singapour. Et donc pour une fintech, c'est un problème. Alors nous, on a des expats français qui travaillent avec nous. Donc enfin, on avait d'autres filières de recrutement, mais ça reste compliqué. Pour donner un exemple, on a posté une offre de job pour avoir un poste de comptable. On a eu 360, il y avait 360 matchs sur le site d'offres de job de Singapour. On a posté une offre d'offre pour quelqu'un de technique, on avait 4 réponses. Donc, c'est quand même un sujet et qu'il faut anticiper aussi en allant là-bas. Ouais. Et j'ai pas la solution, il faut juste l'anticiper, prévoir et connaître cette difficulté. Je voulais rajouter quelque chose. Non, c'est tout. Bon, très bien. Non, mais c'est intéressant, effectivement. Et naturellement, une fintech française ira sur un marché européen parce que c'est un marché média. C'est 600 millions de personnes. Mmh. Enfin, c'est une régulation qui semble un petit peu plus ou moins homogène. Et c'est vrai que tu disais qu'au final, il y a de la place à Singapour, malgré le fait que ce soit un petit marché. Il y a cette dimension régionale qui fait que tout de suite, ben voilà, t'as une vision beaucoup plus pertinente qui te permet… Et pour donner d'autres exemples, on est avec DBS, on est présent sur 5 pays avec eux. D'accord. On est avec Standard Charter plutôt de Hong Kong, mais qu'on a adressé à partir de Singapour. On est présent aussi sur 5 pays. Les banques, leur hub, ça va être Singapour, Hong Kong, mais ensuite, ils vont avoir des projets dans tous ces pays-là. Donc, on n'a pas besoin de redémarrer l'exercice pour aller… Et on est, de par cette reconnaissance des banques singapouriennes, on a réussi, et maintenant, on a des clients en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est vraiment être présent comme hub régional, ça permet vraiment d'adresser toute la zone. En étant un peu protégé, encore une fois, des gros acteurs européens, américains, qui sont considérés comme trop lointains avec un service peu local. Ouais, c'est une alternative, effectivement, qui se présente. Et comment tu gères le jet lag? Bonne question. Alors, le jet lag… Non, mais entre les équipes là-bas… Ça fonctionne pas mal. C'est-à-dire que, à la limite, c'est le positionnement Singapour qui est le plus compliqué parce qu'ils travaillent tard le soir et tôt le matin. Exactement. Moi, quand j'ai un besoin que j'arrive à envoyer le soir, ça, le lendemain matin, j'ai la réponse des collègues. C'est trop bien. Donc, c'est une forme de continuité. Donc, ça, on est dans le bon sens. On est dans le bon sens. Enfin, en France. Les voyages, c'est aussi un point à considérer. Les collègues ont une grosse lassitude là, des problèmes de transport, de déplacement de voyage qu'il y a actuellement avec la politique singapourienne. Pas forcément zéro Covid, mais les restrictions internes. Alors ça s'ouvre pour venir en Europe, par exemple. Mais la crainte qu'on ait, c'est que ça s'ouvrira moins vite régionalement pour aller dans les pays voisins, et alors que c'est notre cœur de marché. Donc c'est quelque chose aussi parce que c'est régional, mais chacun sa petite politique par pays. Et donc il y en a vraiment qui sont confinés et c'est dur d'y aller. D'accord.
Après, ils ont un bel outil avec l'aéroport de Singapour. Ouais, quand ça va redémarrer, c'est le hub parfait. Voilà, ouais, c'est clair. Alors, très bien. Je crois qu'on avait une question dans le public. Monsieur, ouais. Je vous en prie, ouais. Allez-y. C'était une question pour Sylvain. Oui. En fait, je crois que vous avez dit que une des voies que vous avez utilisées, c'était le partenariat. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste expliciter un peu quel genre de partenariat ? Est-ce que tu veux répéter la question ? Alors, il y a quelqu'un qui pose une question sur le type de partenariat que Gengy justement a ouvert pour pouvoir s'implanter sur la zone. Ok, donc nous, on a pris… Je ne suis pas présenté, je m'appelle Gengy, ma boîte, c'est Prime Radiant. Ok, enchanté. Non, oui, on a pris… Il y a deux approches, le direct et l'indirect. Et donc, dans l'indirect, il y a le partenariat. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est reposé justement sur notre employé qui est le Head of Sales de la zone, qui a déjà fait ça dans ses précédentes boîtes, c'est-à-dire de faire des partenariats avec que ce soit des associations comme l'EDB, l'AFCC également, mais aussi des partenaires économiques justement pour que ces partenaires vendent notre solution sur la zone. Donc, vous avez licencié votre techno, c'est ça, un truc dans le genre ? Non. C'est juste, c'est nous qui sommes derrière, mais le partenariat, la personne en face est le revendeur. Donc, ça permet déjà de ne pas tout de suite avoir à employer tout de suite 10 personnes d'un coup pour sectoriser la zone et de bénéficier d'un acteur local pour vendre notre solution avec notre sales à ses côtés, évidemment. Donc, c'est vraiment une approche qui est bonne à faire en début et puis même parfois, c'est une stratégie qui est maintenue jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous avez fait… Non, c'est assimilable. Au départ, on n'a pas trop fait de partenariat. On le fait maintenant. Et c'est peut-être une approche qu'on aurait dû faire plus tôt. On a commencé à commercialiser notre solution Monitor en direct, en démarchant nous-mêmes. On se rend compte maintenant du pouvoir qu'a un Mastercard, que peut avoir un EY. Travailler sur des partenariats a du sens, vraiment. Ouais, c'est effectivement. Et nous, on est… si je prends l'exemple de Gengy, notre solution se plug sur les ERP comptables. Donc, souvent, nos partenaires sont souvent des experts comptables, type KPMG, en l'occurrence, on en parlait. Et le but, c'est de les aider à attaquer leurs clients, ces boîtes-là. Et qui souscrivent à Gengy, in fine. Et ça, ils ne se sentent pas trop en conflit pour le faire, pour recommander un soft, une appli, quelque chose ? Non. Non, mais après, il y a des contrats, évidemment, derrière. Ouais. Non, c'est ce qu'on appelle le channel, c'est vraiment ce qu'on préconise pour attaquer la zone. De notre côté. Dans les interventions que vous étiez en train de faire aussi, j'ai noté le rôle de la diaspora française aussi. À la fois, donc on a bien compris, sur le marché des talents, parce qu'il y a de la tension et tout, et que le réseautage est efficace, mais de façon générale aussi, c'est un avantage comparatif qui permet de faciliter un peu les choses. En fait, c'est la diaspora française, mais en fait, c'est plus largement la communauté expat. La communauté expat, ouais. D'accord. Déjà pour la vie sur place, c'est une communauté, ce que je vois à distance, hein, mais c'est une communauté assez agréable, avec un mélange, c'est pas que de la finance, comme on peut avoir peut-être plus à Hong Kong, c'est vraiment plus mélangé. Ouais. Ça permet de résoudre, ça nous a permis de trouver des gens avec les compétences qu'on recherchait. Et il y a un autre point plus assez intéressant, c'est que ça permet aussi de rencontrer assez vite les dirigeants des banques.
quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire en France. En France, ouais. Là-bas, très rapidement, on a réussi à rencontrer les personnes d'assez haut niveau. Ouais. Parce que les chaînes hiérarchiques sont les premières décisions. Ça, c'est je pense que les chaînes hiérarchiques sont peut-être plus courtes ou ils ont plus besoin aussi de fintech et de solutions. Donc, on a pu vraiment aller plus vite à la bonne personne. Un autre exemple aussi, par exemple, j'ai un collègue qui fait du vélo et dans le club de vélo de Singapour, il fait du vélo avec le boss d'une banque. Donc, c'est une ville, donc on rencontre plus rapidement les gens aussi. Ouais. Peut-être que aussi, c'est un peu petit pays. Exact, donc, exact. Voilà, c'est l'avantage. Après, c'est un avantage pour le marché domestique singapourien, qui parce que, comme je disais, est petit, donc je pense qu'il ne faut pas voir que ce marché domestique-là. Mais nous, le Graal, ça a été de signer une première banque singapourienne, connue connue sur la région. Le porte-drapeau. Ouais, complètement. Si, alors c'est vrai que souvent Singapour est mis en avant en termes de modèle, à la fois de régulation avec sa sandbox, etc. et tout. Si l'écosystème français qui en ce moment prend à le vent en poupe, avec le Brexit, avec les levées de fonds, etc. Mais bon, s'il y avait quelque chose à peut-être à emprunter à nos amis de Singapour, ça aurait été quel élément pour que l'écosystème justement puisse franchir l'écosystème français puisse franchir à nouveau un palier, que ce soit peut-être en termes de levée de fonds, en termes de fiscalité, de régulation. Bon, on voit que la Banque de France a un bureau à Singapour et qu'on a un système de régulation particulier ici parce qu'on est en Europe. Enfin, voilà. S'il y avait une best practice à récupérer, à capitaliser, pour toi, ça aurait été… Moi, alors j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est le rôle d'Enterprise Singapour. On n'a pas eu besoin de lever des fonds et je comprends que j'ai l'impression qu'en France c'est très bien fait avec la BPI, c'est assez facile. À Singapour, je ne sais pas si c'est la même chose parce qu'on n'en a pas eu besoin. Par contre, l'accompagnement très pratique d'Enterprise Singapour, mais gratuit, par exemple quand on a fait une semaine au Canada ou une semaine à Dubaï, on payait bien sûr notre hôtel, nos billets d'avion, mais on avait une équipe d'Enterprise Singapour qui avait organisé toute la semaine, préparé les meetings. Et donc, indépendamment de la fiscalité, quand on a démarré, on ne s'est pas préoccupé de la fiscalité, au départ, on cherche des clients. Ouais. Et donc, il y a un accompagnement très, très pragmatique à aider à trouver des clients. En parallèle de tout ce qui est levée de fonds, etc., qui reste important. Mais nous, on avait besoin. Notre priorité, c'était de trouver des clients. Des clients, bien sûr. Donc, ça, c'était très, très pragmatique. Et que je n'ai pas forcément vu ailleurs. Sylvain, toi qui as commencé justement sur Paris. Là, pour le coup, on va prochainement lever des fonds. Mais on verra aussi comment on fait pour. On est en train de voir si on cherche une levée aussi à Singapour. Mais pour le coup, là, j'ai envie d'être pour une fois un peu chauvin. L'écosystème start-up, Emmanuel Macron, Start-up Nation, tout ça. Ouais. Franchement, c'est quand même plutôt vrai dans les faits. On est très bien accompagné, que ce soit par la BPI et puis l'écosystème de fonds d'investissement qui existe en France. Donc là-dessus, je pense que les boîtes sont quand même plutôt soutenues. Mais à Singapour, avec toute la littérature et les échanges qu'on a eu avec nos confrères là-bas, c'est quand même plutôt facile d'avoir accès à une levée de fonds là-bas aussi. Donc je peux pas comparer à date, mais j'ai aucun préjugé sur le fait que ça soit très bien fait là-bas. Très bien. Moi, je pense que. Merci pour. Justement, c'était sur la partie questions du coup. Donc on a une question d'Antoine qui dit sur ASEAN, quelles monnaies sont principalement utilisées? Est-ce que le dollar US y est utilisé au détriment des monnaies des différents États de la zone? Alors, je dirais oui. Nos contrats, on les fait en dollars US. Sauf bien sûr, à Singapour, c'est en dollars singapouriens. Nos clients en Australie, on est prêt à les faire en Australian dollars. Ouais.
Mais sinon, par défaut, nos provisions commerciales, on les fait en dollars, en USD. Mais pas que sur la région, au Moyen-Orient, c'est pareil. Donc, on a tendance à privilégier l'USD dans les premières réponses aux appels d'offres, premières cotations. Dans certains pays, on pourra prendre la devise locale, mais pas dans tous. Donc, l'US dollar reste. Mais pour la région, pour Singapour, non, c'est le Singapour dollar, définitivement. Mais en dehors de Singapour, on a tendance à rester sur l'US dollar. Très bien, merci. On a d'autres questions dans le public ? Non ? Ben, je crois qu'on va mettre un terme à ces échanges passionnants. Merci Sylvain, merci Stéphane pour cette overview intimiste. Et puis, à bientôt alors. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci à tous. Je ne sais pas si on m'entend, mais merci.